aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. C'est un What I Eat in a Day, sauf que c'est plutôt sur 2 jours. Et je le tourne un peu comme un vlog, même si j'ai essayé de le concentrer plus sur la nourriture. Donc j'ai qu'un truc à vous dire. C'est parti! On est descendu déjeuner du coup. Moi j'ai mangé un croissant juste avec un jus d'orange et après je suis partie faire mes devoirs. On décide de s'arrêter dans un petit supermarché italien pour acheter notre pique-nique. Donc on a acheté genre du fromage, du pain, on a même acheté un pain à l'olive, c'est super bon. Bref, et après vous verrez, on est allé à 1 heure de route en voiture de notre hôtel à peu près pour se poser dans une petite crique où il y avait une petite plage, comme ça on a pu se baigner. Et c'est super bien et franchement trop bon le déjeuner. Donc sinon, pour préciser ce qu'on a déjeuné, donc on avait acheté des olives, du pain. Du fromage italien, il était super bon. Là, un pain aux olives et pour mettre dans le sandwich du chorizo. Et franchement, c'était super bon. Du coup, là, on est en randonnée et je suis un peu fatiguée, mais bon. Franchement, le décor en vaut la peine, c'est super beau. Regardez, franchement, c'est méga beau. Bon, du coup, là, on est tout habillé comme ça. On a pris notre douche, on est plus salé et tout. Et là, on va aller faire un peu de shopping. Que je recommence cette partie de ma vidéo parce que à chaque fois il y a des gens qui me dérangent, une voiture qui passe, il y a des gens qui viennent et du coup je suis gênée, je peux pas filmer. Bref, je voulais d'abord m'excuser parce que la qualité doit être vraiment pas ouf étant donné que genre la lumière et tout ça va pas, il fait nuit et tout. Donc sinon je voulais juste vous dire qu'on a super bien mangé. Moi j'ai pris des pâtes à la sauce tomate et avec de l'ail, ouais, garlic. Mais c'est super bon parce que c'était al dente. En plus elles sont vraiment grosses leurs pâtes et non, franchement c'était super bon. Après je vous ai pas filmé mais on a mangé des desserts parce que mon téléphone avait plus trop de batterie. Du coup je l'ai rechargé et là c'est bon. Mais du coup on a mangé un tiramisu, un cheesecake et un cannoli. Je vous mets la photo maintenant d'un cannoli, voilà. Vous avez vu, donc c'est une sorte de pâte, ouais c'est super bon. Et voilà, là je vais rentrer dans l'hôtel. Sinon,
là, je vais vous laisser parce que je pense que on va bientôt. On va pas aller se coucher, mais genre, je vais regarder une petite vidéo YouTube. Comme ça, je vais me poser sur mon canapé et tout. Et voilà, je vous dis à demain pour une nouvelle journée. C'est parti! Bon, je vous préviens, c'est un vlog, clairement. Ça part en vlog, ça part en vlog, je vous promets. Je mettrai dans le titre, je mettrai What I Eat in a Day, mais à demain! Coucou, du coup, désolée si vous entendez des bruits de tapement derrière. C'est parce que derrière le mur de notre chambre, il y a des échafaudages. Il y a des échafaudages et il y a quelqu'un qui tape avec son marteau depuis 9h du matin. Et quand t'as pas dormi la nuit, c'est assez fatigant, voilà. Donc sinon, là on a déjeuné, je vous ai pas filmé parce que j'ai mangé exactement la même chose qu'hier. C'est-à-dire un croissant avec de la confiture dedans, mais j'ai enlevé la confiture. Un croissant. Et un jus d'orange en ligne. Voilà. Ok, donc là on mange notre repas du midi. Donc on a pris des parts de pizza. Bon, là c'est un peu la fin, c'était mes parts de pizza à moi. C'est en fait, tu vas au comptoir et tu choisis les parts de pizza que tu veux. Nous on en avait choisi deux. Et après là, nous on s'était assis du côté où on voyait le monsieur faire ses pizzas. Du coup, c'était trop trop bon. Pour manger, on continue à se balader dans la vieille ville. Et après, là, on a trouvé un petit café pour manger notre dessert. Donc, on a pris une tarte à pistache, un cannoli, c'était trop bon, et un granita pour la petite sœur. Voilà. On mange des pâtes et tout, c'était vraiment bon. Il y avait des pâtes, c'était des pâtes typiques siciliennes, c'était super bon. Mais bon, après il a plu, mais genre vraiment, du coup on a été obligé de déplacer la table et voilà. Mais après ça a arrêté de pleuvoir, on a quand même pu manger notre petite glace. I wanna do it all with you by my side. If you're in, meet me here tonight. Be brave and come along, I'll be your ride. We don't need no brake lights. We can travel the world, so just say yes. Choose to do whatever comes next. On a bravé la pluie, bon elle s'est juste arrêtée. Et on allait chercher une petite glace au glacier, on est allé trois fois. J'ai pris pistache et un parfum avec du chocolat là, et des petits morceaux. C'est trop bon. Voilà, voilà. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré la filmer. C'était trop drôle. Surtout, genre, je tournais juste autour de la nourriture, donc ce que j'adore. Et j'ai juste un truc à vous dire, mettez un petit pouce si vous avez aimé, commentez aussi, ça ferait super plaisir, et n'oubliez pas de vous abonner, ça ferait super plaisir aussi, et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, ciao!